Hello tout le monde, c'est Barton. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, vous l'avez vu, on va pas faire de vidéo réaction. On va pas faire de vidéo gaming et tout ça. On va pas faire une vidéo trailer. Non, on va faire une vidéo construction. Et on va construire ça, donc c'est parti. Alors, comment est-ce qu'on a eu ça? Bah en fait, ma soeur elle a fait sa kermesse. Et il y avait une tombola. Et du coup, bah elle a eu le gros lot de la kermesse. Et donc du coup, elle a eu ça. GGL, bravo. Donc c'est parti, allez, je sors mon couteau. Ça c'est des vrais couteaux. Et c'est parti. Ok, c'est bon, maintenant on fait les côtés. Et de 1. Et de 2. Ok. Oh, ça pue le 9, hein. Ça pue le 9 et le plastique. Donc là, on a le manuel avec des pièces derrière, voilà, hop. Une petite boîte. Du polystyrène. Est-ce que c'est toujours aussi fragile? Ouais. Yes, j'aurais pas dû faire ça après, je vais devoir tout nettoyer, putain. Donc d'abord on sort les affaires et ensuite on construira. Putain, mais c'est quoi? Oh, une petite lumière, trop stylé. Voici la bête. Ah, elle est typée à ton... t'inquiète. Y'a rien dedans? Non, c'est bon. Donc là c'est bon, ensuite là du coup j'ai préparé toutes les affaires, là j'ai mis tout le plus gros ici, là toutes les petites pièces ici. Regardez, il y a un petit ganas trop stylé. Et là du coup on a le mode d'emploi, donc on va l'ouvrir. Les petites pièces qu'on va les foutre ici. Oh, il y a des vis. Quoi cette boîte? Ah, c'est le câble pour charger. Ok, d'accord. Donc là c'est prêt. Donc là on va passer à la première étape. Consigne de sécurité. Consigne de sécurité. Consigne de sécurité. Généralement la consigne de sécurité c'est ce qu'on lit le moins. Description du produit. Ok. Montage de la trottinette. D'accord. Ah, c'est en plusieurs langues. Ne pas stocker l'appareil dans un endroit humide, très chaud ou très froid. Alors, il y a combien d'étapes? Il n'y en a que... deux? Ne jamais l'appareil sans surveillance pendant la recharge de la batterie. Ah ouais? Ça va être chiant. Eh, j'espère que ça charge vite, hein. J'imagine que tu dois être là pendant tout le chargement. Or, étape, l'étape assemblage. La trottinette et tous les 500 emballages, donc ça c'est ce que j'ai là. Étape 1. Assemblage de la roue avant. Oh le guidon. Bon allez, on va pas perdre plus de temps, on va commencer. Donc assemblage de la roue avant. Assembler et visser fermer la roue sur la fourche à l'aide d'une vis à clé Allen fournie. Ah, c'est les clés Allen ça. Attends, j'ai rien où tu dois construire le... Oh! Oh, c'est trop bien! Regardez, je sais pas si vous connaissez. Donc là, c'est un tournevis tranquille. Sauf que là, il y a le petit bout qui est comme ça. Mais sauf que, par exemple, si on veut changer, hop, on enlève, on tourne, on remet. Et là, c'est un autre bout. Oh, c'est trop stylé! Qu'est-ce qu'on arrive à faire avec la technologie aujourd'hui? Donc la roue. La roue, elle est là, la roue. Donc là, là la roue arrière est là. Donc du coup, ça doit être la roue avant. Attends, je vais quand même enlever ça parce que ça me fait chier. Hop, c'est bon. Donc ça, c'est la barre, je pense que c'est pour le... Ouais, c'est la barre de niveau. Et on doit dévisser ceci. C'est pas ça.
On va prendre une clé de quoi? Une clé Allen. Hop là, allez hop, on tourne. Ok, c'est bon. Maintenant, on va foutre la roue. Est-ce qu'il y a un sens manière à mettre? Non. Okay. Mais non, mais c'est pas possible ce bordel. Regardez. En fait, j'essaye de mettre ça dans ça, comme papa dans maman. Hop là, on rentre, hop. On rentre pour ça, on rentre, on sort. Et ça fait le petit Jimmy. En fait, je sais pas si on voit l'intérieur. Regardez. Il y a un truc par-dessus. Putain, il est belle, la caméra. Il y a un truc par-dessus, c'est-à-dire que du coup, on peut pas faire passer à l'intérieur. Ah si. Problème réglé. Allez, du coup, on recommence. On prend ça. On fout ça là. Eh, vous savez ce que ça me donne l'impression de faire ça? J'ai l'impression d'être un daron qui construit le jouet de son gosse après un. Après le matin de Noël. Hop, c'est bon, c'est fait. Étape 1, terminée. Étape 2. Divisser. Dévisser et enlever l'axe de la charnière de la de portance. Numéro 13. C'est quoi la charnière de portance? Ah, on a un petit schéma en dessous. Ça, c'est dans ça. Y a pas la charnière. Ah, si. Ah, c'est ça. C'est ça la charnière de portance. On apprend du vocabulaire avec les trottinettes. Donc, on prend la charnière de portance. Qu'est-ce qu'on en fait? Dévisser et enlever l'axe de la charnière de portance. Dévisser. Enlever légèrement le verrou de pliage. Donc c'est ça, donc j'enlève légèrement. Attends, je dévisse ou je le revisse là? Alors je dévisse. C'est bon, je l'ai fait légèrement. Tiens, enclencher la potence 17. La potence. Ah, le manche, quoi. Ça se fout comment ce truc? Ah. Ça se fout comme merde. Ça se fout comme ça, non? Ça se trouve, je suis complètement en train de faire de la merde. Alors, je vais lire les consignes. Enclencher la potence. Donc la potence, c'est bien ça. Sur la charnière de potence. Ah. Comme ça. Ok. Mais c'est ce que j'avais fait tout à l'heure. Alors, mais en fait, faut que ça soit comme ça. Faut que ça soit comme ça pour que le guidon. Mais ça, on peut le tourner, ça. Vas-y, on va faire comme ça. Hein. Mec, on dirait un singe qui fait de la merde ce que je fais. C'est moi qui suis con, le truc explique mal. Non, c'est le truc qui explique mal, moi je suis. T'inquiète. Avec du cuit dans mon cerveau. Mais je crois que ça faut le monter à deux. Hein. Ok, c'est bon, j'ai réussi. C'est en faisant des conneries qu'on réussit. Il y a un 10 ans aussi des conneries. Donc il est passé là. Ensuite. Merde, le truc. Ah là. Ça vient de d'où ça? Merde. On verra après. Oh! Oh! Si ça continue de tourner, c'est-à-dire que c'est pas serré suffisamment, non? C'est bon, ça tourne plus. Je suis un boss. Alors, ensuite, du coup, revisser le verrou de pliage. Ouvrir le guidon du réglage du guidon. Ah non, c'est chez Malu. Ouvrir le verrou du réglage du guidon.
Mais c'est génial. Ça ressemble à un truc. Il n'y a plus qu'à mettre les vis. Ah, ouvrir les réglages du guidon. Ah, mes couilles. Alors, Oh, je pose ma bite. Hop. Alors, enclencher la potence, réviser, ouvrir le verrou du réglage, ajuster à la hauteur de, à l'aide des clics de réglage. Ça tourne, c'est normal. On va pouvoir tirer après. Yeah, let's go. Mec, je suis trop content, ça marche bien. Donc là, je serai où? Donc là, on est tranquille en train de faire la trottinette. Ok, j'y vais. Alors, étape suivante. Assembler le guidon sur le support du guidon à l'aide des vis et des écrous fournis. Fixer des bagues et de maintien de câbles sur la potence. C'est pas fini encore. Dévisser légèrement le verrou de pliage pour replier la trottinette. Ah! Donc, ça veut dire qu'on fait ça. Oh, c'est génial! Mais c'est trop bien. Bon, vas-y, on met le guidon maintenant, là. Mais est-ce que vous vous rendez compte ou pas quand j'ai quand même, que ma famille, on a quand même réussi à avoir une putain de trottinette gratuite. Ah, je pense que la ville du bas, c'est... enfin, c'est qui est parti ici, là. C'est un truc de plus bonus. Alors comment on met une vis? Non, j'ai je sais comment faire. Je crois pas que je sais pas comment faire. Non, je sais comment faire, bien évidemment. Je suis un bricoleur, moi. Bob le bricoleur. C'est moi qui l'ai inventé. Oh, mais je viens de comprendre à quoi ça sert, ça, pour le truc, en fait. Ça sert à Siri. Oh, mais c'est génial. Au pire, ça fait quoi si le guidon est un peu bancal? C'est pas grave, si. J'ai réussi! Yes! Ah, mais c'est ça la technique, regardez. En fait, on monte jusqu'au bout. On prend la vis. Et ça fait rien. On est vraiment obligé de serrer jusqu'au bout ou... Ça fait déjà 33 minutes que je suis en train de... 33 minutes que je suis en train de construire la trottinette. Ça va pas du tout, hein. Trouver une putain de technique. Monsieur Bricolage, il va faire bonjour monsieur. Bartholomew, vous avez une putain d'idée pour faire tourner le truc. Je... Attends. La technique, en gros, c'est que tu prends la clé... C'est une clé à molette, ça. Tu prends la clé. Regardez. Ensuite, vous voyez le petit verrou, vous le prenez. Non, bien sûr, dans la taille qu'il faut, voilà, vous rentrez ça. Hop. Ça fait tout le tour. Vous bloquez en haut, comme ça. Et après, vous vissez vers le bas. Et ça marche nickel, hein, regardez. Hop, il y a juste à faire quelques petits tours et c'est bon. Je suis un putain de génie, mec. J'ai peut-être du mal à construire des trottinettes. Et je trouve des putains d'idées. Oui, ça marche. Comment on m'appelle, monsieur génie? Eh oui, t'as le droit à 3 vœux. Bah non, je suis pas ce genre de génie-là. Déjà, c'est mieux. Du coup, maintenant, il y a l'autre partie du guidon. Il y a cette partie-là, là, ici, là, de, le derrière. On a le visser. Et c'est parti, du coup, on coupe la clé, on bloque ici, on maintient, voilà, c'est bien. Ensuite, on prend la clé d'Allen, si c'est bien ça que je m'en rappelle. Et on visse. Et voilà. Regardez, le guidon, il est plus instable. Si je me mets dessus. Bon, il est plus instable parce que c'est juste ça qui tourne, mais sinon. Ça, c'est nickel. Ok, maintenant, voyons voir la prochaine étape. Abonnez-vous et mettez un like à cette vidéo. Non, ça c'est pour vous. Fixer les bagues de potence, dévisser les jambes de pliage. Crochet de fixation, retirer la potence. Replier la potence sur la plateforme. C'est quoi le crochet de fixation? C'est le numéro 2. Ah! C'est pour la LED. Il y a la lumière. Oh ouais! Putain! Incroyable! Comment ils ont dit qu'on devait faire ça? Alors faut suivre les étapes bien. Savoir ce qu'il faut faire et bien construire la construction.
Ouais. Donc, on dévisse cette petite chose, la... Ensuite, ça se referme là-dessus. Oh! C'est le bruit de la cloche quand vous vous abonnez, vous mettez la cloche de notification. Alors la LED, comment est-ce qu'on la met la petite lumière là? La fixation de... Le crochet de fixation. Donc là le truc il est comme ça. Ensuite la lumière faut qu'elle soit comme ça, bon, bien qu'on voit. Faut qu'elle soit comme... Oh! Oh, attendez, je vais éteindre toutes les lumières pour voir ce que ça fait. On va attendre de faire des conneries. Ah, c'est au bout de la troisième. Regardez, 1, 2, 3. Ok, très bien. C'est mes yeux qui... Non, ça va. Putain, c'est horrible, j'ai des petits flèches de lumière, je suis trop con. Alors, vas-y, on va foutre ça. Donc, faut que ça se mette... Oh, let's go! Genre là, tu vois, tu roules et tu fais comme ça. C'est bien comme ça qu'il faut la mettre, non? Attends, il n'y avait pas aussi la petite fenêtre pour vous abonner? Si, c'est ça. On va la mettre là, la petite clochette. Ta 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 ta. Eh, j'ai vraiment un artiste là, un truc horrible. Ta 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 la ta 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 la ta la la ta la 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 la. Je vais faire une musique, le premier qui la trouve il gagne mon respect. Or, celui qui a trouvé, je lui envoie 1000 euros. Allez hop. Ok, donc c'est bon. Attendez, il ouvre le manuel. Oh non, il ouvre le manuel, j'ai perdu le manuel. C'est bon, j'ai trouvé. Du coup, vas-y, j'ai pas compris. Bon, là, je pense qu'on est paré pour l'aventure. Je vais la mettre à charger et on se retrouve après. En attendant, je pense que pendant 2 heures, je vais écouter la chanson que mon pote Véry m'a faite. Non, ça, je l'ai déjà fait dans une vidéo gâche qui s'affiche. Juste là. Non, attendez. Juste. Non, non, hop, non. Presque en bas, en haut, à gauche, à droite. Là. 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 Oui, là, elle est juste là. Ok, donc le chargeur, il est où? C'est ça. Est-ce qu'il y a des petites règles sur le chargeur? Couteau. Et ouais. Je suis malade, moi. Je suis malade de ma petite mousse. Et tu me connais pas, gamin. Je suis malade, mais... Bref. Changer de la batterie. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant la charge de la batterie. Charger la trottinette à l'extérieur uniquement dans un endroit propre. Sec et ventilé. Avant la première utilisation, chargez la trottinette pendant 8 heures. Ça marche si j'ai fait 5 minutes. Ok, on continue. Après la première charge, le temps de chargement est de 6 heures. Enlevez le cache protégeant le connecteur du charge. C'est où ça?
Attends. En vrai, elle est stylée, hein. Alors, la petite routine est sur mon bureau. Merde, elle est sur le mode d'emploi. Attends, il y a la lumière, ça veut dire qu'elle marche? Attention. 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 Wow! Je vais la tester. Ouh, j'ai un délinquant. Faut bien que je la mette à charger en effet. Vas-y, je la mets à brancher et... On se dit à dans 8 heures. Donc, attendez, réfléchissez. Bah pendant les 8 heures, je pense que déjà je vais ranger mon studio. Ouais. Et je vais aussi bah, du coup faire le montage de cette vidéo, enlever tous les moments inutiles. Et voir du coup ce que vous venez de voir. Alors, il y a une charge là. Comment on voit que ça marche, que ça charge? Ouais. À dans 8 heures. 8 hours later. Ok, c'est bon, ça fait plus de 8 heures que la trottinette est en charge. Donc là, je vais aller essayer. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez aimé le concept et tout ça. On se dit à plus pour une prochaine vidéo. C'était Bartoons. Bye.